Débutée depuis le 7 juillet 2023, la finale de la 5e édition du tournoi de la paix doté du trophée Adom Guillaume a eu lieu sur le terrain de l'école Diop du quartier Cafetou le dimanche 20 août 2023. Après plusieurs compétitions des équipes des différents quartiers de la ville d'Abangourou, ce sont les équipes des quartiers CAF des Rois et HKB qui ont été qualifiées pour la grande finale. C'est au tir au but que l'équipe du quartier CAF des Rois a remporté la victoire. Selon le parrain de la 5e édition du tournoi de la paix, Adom Guillaume, c'est un honneur pour lui de soutenir et aider la jeunesse à s'occuper sainement pendant cette période des vacances. Et ça fait la 5e édition de ce tournoi de la paix et les organisateurs m'ont fait l'honneur depuis 3 ans d'être le parrain de cette compétition. C'est une très belle compétition qui permet aux jeunes du quartier de Cafetou, Cafetou qui est un quartier de la commune d'Abengourou, de vivre des moments à partir de cette compétition qui d'année en année permet aux jeunes de pouvoir jouer, de pouvoir ensemble vivre des moments intéressants. Nous, au niveau de la commune, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est que cette compétition-là, je compte l'inscrire dans les compétitions de la mairie d'Abengourou et amener les organisateurs au fur et à mesure, quartier par quartier, à organiser une compétition totalement de la commune d'Abengourou. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire et se donner encore rendez-vous pour l'édition, pour la 6e édition dans ce quartier de Cafetou. Le parrain a fait don d'une dizaine de pots de peinture pour rafraîchir les murs de l'école qui accueille depuis plusieurs années les éditions du tournoi de la paix. Nous venons d'assister à une très belle finale, une finale qui a déjà relevé des talents et qui a permis aussi à la jeunesse d'Abangourou et en particulier à la jeunesse de Cafetou de s'égayer pendant ses vacances. Vous voyez que ici nous sommes autour de 1000 jeunes qui sont venus autour du petit poteau et puis venir passer une très belle après-midi. Et moi, en ma qualité de président délégué de l'Asie d'Abangourou, je pense que j'ai déjà su mon calepin, pris le nom de 2 ou 3 jeunes qui pourront intégrer l'équipe de l'Asie d'Abangourou. Donc c'est des tournois à encourager parce que non seulement ça permet aux jeunes de s'épanouir, ça permet aux jeunes de passer de bonnes vacances, mais ça permet aussi à certains d'avoir des débouchés dans le sport. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le football, c'est un pourvoyeur d'emploi. Donc je dis félicitations et merci au maire Adom Amakondie Guillaume qui a permis à cette jeunesse-là de pouvoir s'amuser sainement au cours de ces vacances-là. Et je pense que le vainqueur l'a emporté et nous sommes tous contents de ce que nous avons vu, du spectacle que nous avons vu cet après-midi. Cette finale-là se joue depuis 3 ans dans une école, l'école Diop, qui est une école privée, qui nous prête ses infrastructures pour pouvoir faire ce tournoi depuis 3 ans. C'est en cela que nous avons, avec nous, à travers le maire Adom Guillaume, apporté une 20aine de pots de peinture pour pouvoir rafraîchir les murs de cette école, pour pouvoir permettre à nos enfants, à la rentrée 2023-2024, d'être dans des beaux cadres, dans un beau cadre, pour permettre que ces enfants-là puissent s'épanouir. Donc nous faisons don d'une 20aine de pots de peinture pour rafraîchir les murs des classes de l'école qui abrite le tournoi. Ça fait la 5e année que nous organisons ce tournoi. On avait 2 ans, on n'avait pas de parrain. Mais Dieu a fait grâce, les 3 ans qui sont passés, ce grand homme qui se nomme Amakondie Guillaume nous a soutenus. Nous sommes allés chez lui, on a tapé la porte, il nous a soutenus, il nous a ouvert la porte. Donc aujourd'hui, nous lui disons un grand merci. Vous voyez ce monde qui est là, c'est grâce à moi. Mais ce monsieur, nous lui disons un grand merci. Nous n'allons pas le laisser tomber, nous sommes avec lui. Cafetou est avec lui. Donc nous lui disons, le comité d'organisation par ma voix, nous lui disons un grand merci. La journée du dimanche s'est achevée par une visite au Parlement du PPACI Kadio Moro-Grosjean du quartier HKB. Les militants PPACI ont reçu des mains du 4e adjoint au maire d'Abangourou et candidat à PDCI RBA une sonorisation qui va leur permettre une meilleure animation des conférences débats. Un présent qui vient répondre à un besoin crucial des militants.